Bonjour et bienvenue pour ce 16e épisode du Marathon PokéMMO. Je suis en compagnie de Zarik. Eh bonjour. Attends, j'ai oublié de remettre la musique. Vite. Dès le début, fais dès le début. Ok, bon, moi je me casse, salut. Ah merde, mais non, c'est dans la maison qu'il faut rester. faut lui parler au vieux. Ouais, faut lui parler pour la Pokéflûte. Attends, tu commences l'épisode en mode j'ai pas le temps là, 2 minutes. Alors, dépêchez-nous, j'ai passé des choses entre les deux épisodes, enfin le dernier ouais. Et celui-ci. Alors, j'ai eu des pertes et des renouveaux. Déjà. Donc, Colossinge a disparu. Il a été remplacé par Machopper. Adieu Gretchen. Du coup, tu l'as appelé comment? Bah, je vais le rappeler Gretchen. Je crois que c'est une femelle. Ah, bah, c'est bien. Non, ça a mal, mais il s'appellera Gretchen quand même. D'accord. Non, bah, je vais appeler mon Spectrum Gretchen parce que lui, c'est une femelle. Et d'accord. J'ai viré qui d'ailleurs? Non, j'ai viré personne parce qu'il en avait que 5. J'ai mis Spectrum dans ma team. Enfin, j'ai été capturé un Fantominus. Je l'ai fait évoluer en Spectrum. Et alors, devant vos yeux ébahis, échange. D'accord. Alors, bon, elle m'enverra le machin pour que vous puissiez le voir. Bon, avec la magie du montage, vous devriez le voir. Alors, ouais, échange. Ouais. Hop. On va commencer avec Spectrum. Parce que je sais pas si ça bug ou quoi si je t'envoie les deux en même temps qu'ils vont évoluer. Ouais, je sais pas, ça risque de... Bon, elle va les envoyer un par un. Hop, voilà. Pourquoi ça s'est annulé? T'as pas 6 Pokémon? Ah, merde, si. Bah écoute, je vais te filer mon Roucoul à la con. On recommence, il s'est rien passé. Alors. Hop. Toc. Et voilà. Let's go. Oh, que c'est beau. Moi je le verrai en même temps que vous parce que en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle me découpera juste le petit d'évolution et elle me l'enverra. Ouais voilà. Ça je vous l'afficherai là maintenant normalement. Oh il est trop trop beau. Ok allez go. Du Attends. Coup Spectrum contre... Échange. Je te renvoie ton ectoplasma du coup. Ouais déjà. Hop. Je t'envoie Machopper direct. Ouais voilà comme non, ça j'arrive pas à... hop on enchaîne les échanges. Allez ça bug. Ah t'as vu que c'est chiant, ça me l'avait fait une fois. Et t'étais en mode mais non mais c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fermé parce que ça buguait. Ok. Oh là là, on perd du temps ce mec. J'arrive pas, ça bug, c'est bizarre. Ah c'est chelou. Ah voilà. Ah quand même. Ok. Hop, deuxième évolution. Magie du montage. Magie du montage. J'y sens. En plus, peut-être j'aurais oublié ou j'aurais la flemme, mais grave, du coup, les gens ils vont être en mode qu'est-ce qui se passe. Venez sur ma chaîne, voilà. Vous verrez l'évolution. C'est bon? Oh, il est trop trop beau, ouais. Allez, c'est parti. Échange. Hop. Et du coup, moi dans le prochain épisode, enfin en off, donc je sais pas quand, je capturerai un Lupio et je le remplacerai par. Enfin, je le mettrai à la place de Nidorino. Sinon, voilà. On va se faire chier. Parce qu'il est Faut apparemment pas le dire. Il est rare. Non mais c'est pas un Pokémon de mon équipe, c'est un Pokémon lambda. D'accord. Regardez-moi comme donc, il est beau. Voilà. Lui aussi il est pas mal. Oh, bah, je les renommerai après, je m'en occuperai entre les d'accord. épisodes, vous en faites pas. Là on va pas perdre du temps avec ça. Ouais qu'on passe pas 10 attends, minutes attends, à la vieux. Quoi. Juste une seconde. Oh c'est beau. Salut. Ectoplasma c'est encore mieux, franchement il pète le swag ce truc. Mais tout le monde l'a avec ton plasma, parce que tout le monde veut. Tout le monde croit que. Genre, ouais, il est trop swag avec ton plasma, du coup, tout le monde l'a, au final, c'est un Pokémon courant. Bon alors Et le vieux, t'as oublié le vieux? Ouais, bah les vieux, tu sais ce que j'en dis moi. Hop. Ah, t'inquiète du Pokédex et. En gros, je dis pas, parce qu'il faut traduire tout, et en gros, il nous donne juste la Pokéflûte. Il dit oui, voilà. Continue ta quête, jeune Padawan. C'est bon, j'ai acheté les Balls. D'accord. Naki Balls. En prendre 10. Ça, il commence à faire nuit, mais what? Alors, c'était trop l'occasion d'aller capturer mon Lupio. Ou il faut aller vers la piste cyclable là. Les deux vont parce que dans tous les cas, on doit aller à Parmani et les deux chemins y mènent. Après, est-ce que tu veux aller choper Tignon et Kikli? Ou est-ce qu'on le fait après? On fera ça après, on fera ça quand on. Là, on doit faire quelle arène? Normalement, c'est poison, c'est Parmani, mais après, l'arène combat, c'est pas vraiment une arène. Tu vois, c'est juste le mec, enfin, ah si, mais la reine psy, non, c'est la reine poison d'abord, je crois. D'accord. Donc je sais pas c'est où, mais bon. Je sais plus. La reine poison, c'est Parmani, donc c'est là où il y a le parc safari. D'accord. Attends, on va remonter, parce que souvent, il y a des gars à l'étage, ou je sais pas quoi, qui demandent des trucs. Merde. Apparemment, non. Ok, maintenant, c'est bon, elle dit de la merde, on se casse. Ah, elle m'a donné la CT27, je sais pas ce que c'est. Return. Retour. Ouais, bon, c'est pas...
Ouais, bon, au moins, on l'a. C'est pas top. Hop, allez. Alors, bon, bah, du coup, on était obligé de vous spoiler parce que, du coup, c'était sur la route. Mais moi, il va me falloir un flex. Ouais, et du coup, je vais être obligé de le capturer. Parce comme que ça, il on faut les meilleurs IV possibles. Voilà, donc je prendrai le meilleur des 4 voilà. IV et on verra bien. Alors, attends, parce que là, c'est un pêcheur. Je vais sortir ectoplasma, tiens. Mais du coup, il va me niquer toutes mes balles. Putain. Je vous ai pas montré les IV, je ferai ça plus tard, parce que là, on a pas mal de pain sur la planche. Là, on a beaucoup de trucs à faire. Ouais, beaucoup. Et donc du coup, faut mieux pas perdre de temps. Donc là, on en a perdu un petit peu avec les évolutions, mais c'était important, donc... Voilà, il fallait que vous les voyez, quoi. Mais putain, je sais que c'est un pêcheur, j'envoie Ben, quoi. Mais n'importe quoi. Oh, sirène. Bon, j'ai envoyé Ectoplasma, il va se manger à l'ombre. Merci, au revoir. Je suis sûr que je le one-shot. C'est bon. Voilà, merci, au revoir. Allez hop, one-shot de Ben, merci. 10 niveaux de plus, il avait intérêt. Fisher Ned. Pas ombre. Faut pas utiliser trop de PP de ballon parce que je sais pas quand il y a un prochain. Ouais. Pokémon. Le prochain centre, c'est très 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 loin. Bah, c'est un Parmani. Donc, ouais, mais ça devrait aller. Ouais. Alors. A voir. Je sais pas si c'est moi qui le son. Il me paraît pas fort du tout. Je vais vous le monter un petit peu. J'espère que ce sera pas trop fort. Tiens, point en haut, dégage. Ah, bien sûr, il lui reste 2 PV quoi. Du coup, ton ectoplasma, est-ce qu'il a tous ses EV ou pas encore? Non. Il est. Ah, ouais, alors du coup, attends, je m'en en même temps que je finis le combat. Alors, pour les EV, c'est ça. Pour les IV, je les ai augmentés un petit peu. Donc, sur des. Il faudra que j'ai reset ceux qui sont pas bonnes. Forcément, j'en ai chopé un petit peu partout. Donc, on peut les reset? Ouais. Ah ouais, comment ça se passe? Et B. D'accord. Et B dans la ville où il y a l'arène combat. Ok, bah je fais ça avec mon. Mais ça coûte pas mal cher, je dois t'avouer. Ah ouais. Genre, ça pour si t'as un Pokémon avec des EV parfaites, avec des IV parfaites, et que tu l'as monté genre 255 dans une stat, c'est pas la bonne. Franchement, va recapturer un autre. Ouais. Parce que j'ai pas 200 ou 300 000 à dépenser là-dedans, tu vois. Ouais, à mon avis, il va falloir que je recapture un Alakazam, que je refasse un Salamèche éventuellement. Oh putain, ça va être la merde. Ouais, faut que tu recaptures un Alakazam. Ben, pour les EV, parce qu'ils sont répartis n'importe comment, là. Ah, mais ça dépend, si t'en as 20 tchèques, on s'en fout, tu vois. C'est pas grave. Enfin, dire, si t'en as 20 tchèques, ça coûtera pas très très cher, ça ira. Ouais, on verra à la fin, on verra. T'as une stat complète à enlever, ça s'enlève que par 10, donc... Ouais, mais voilà, je suis déjà... Enfin, y a une stat qui a déjà 60, quoi, tu vois, donc... Bah ça fait 4B, 6B pardon, donc ça ira. Ouais bah sauf que si je dois enlever sur toutes les stats, c'est pas rentable. Donc peut-être que je recapturerai. Maintenant tu montreras ça en off et puis on verra ça. Mais à mon avis je referai des œufs tout le monde, genre Salamèche, Alakazam, etc. Bon, mais ça veut dire qu'il va falloir que tu le remontes jusqu'au level 70, imagine. Ouais, on verra. Horrible. De toute façon, mais je te dis, à mon avis, personne ne fera les IV. Quand j'ai monté mon Fantominus du level 13 au level 35 pour qu'il soit en ectoplasma, j'en ai chié, mais horrible. Mais genre, franchement. Genre, il prenait à 50 de la barre. Personne ne les fera les EV. Personne ne les fera. Bah, j'espère, parce que comme ça, on leur mettrait une branlée. Ouais, non, mais personne ne les fera. Les filles, elles le feront pas. Neo, il le fera pas. Non, personne ne fera les EV. Bon, on verra bien, de toute façon. Mais je te dis, on peut toujours être surpris. C'est ça. Il faut pas arriver en mode. On est sûr, on est jamais sûr. Ouais, mais c'est quasi sûr. C'est un truc beaucoup trop chiant à faire. Il faut connaître tous les Pokémon qui donnent des EV. Donc je le ferai juste sur mon Ronflex et sur mes Knuckers parce que mes Knuckers c'est qui? C'est Ectoplasma et je vous dis pas le deuxième. Et du coup, comme ça, je serai maxé au moins sur mon tank et sur mes Knuckers. Les autres, je m'en fous. Bon, il vient de me buter quand même, ce connard. Bon, bah, je les one-shot tous, hein, parce qu'au final. En même temps, je tape avec une attaque ténèbre qui a 80 de PP. Et puis avec un ectoplasma qui en plus est stabé. L'ectoplasma, il a des très bons IV et il est presque monté à fond dans ses EV en attaque P. Voilà, donc à un moment, faut arrêter de déconner quoi. J'ai pas le temps, tu vois. Mais même avec. Maconheur, il a une attaque ténèbre, Maconheur. Ah ouais? Il a quoi? Sabotage. Ça a 22 PP, je vais one-shotter tous les ectoplasmas, pas les ectoplasmas, les spectrums et tout dans la tour d'avant ville. Alors que ça a 20 de PP, tu sais. 20 de puissance, pardon. J'ai one-shotté. Ouais,
Bah, ils sont les ténèbres et faibles à ténèbres, donc du coup. Ouais. Bon, je suis level 36 avec, avec quelques plasmas. On va bouger sur. Se calmer. De quoi? On va se calmer. Bah, tous mes Pokémon sont level 35, hein. Sauf Ectoplasma qui est level 36. Ah, j'en ai encore des level 33, moi. C'est toi qui m'as rattrapé, ça y est. Ah bah, elle me fait oui, il faut. En plus, je m'en souviens, c'était quoi, il y a un ou deux jours, elle m'a dit. Non, la dernière fois qu'on a tourné, elle m'a dit oui, il faudrait faire. Faudrait que tu captures tes Pokémon pour la prochaine fois, comme ça sera fait et tout. Là, c'est cool, elle fait ouais, alors tu l'as attrapé ton Fantominus. Ouais, ouais, j'ai un Spectrum, c'est bon. Mais grave, le mec au calme, rien à foutre. En fait, faudra qu'on fasse évoluer Match Hopper aussi. Quoi? Mais pourquoi je suis paralysé? Comment oh, c'est putain. Possible? Il est trop stylé, ma cognard, en vue de dos. Mais attends, et franchement, est-ce que tu savais que Kokia, ça avait une attaque qui paralyse? Je suis paralysé. C'est quoi? Mais je sais pas, j'ai pas vu. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est pas un genre de machin, un genre plaquage ou. Ça peut paralyser ça. Ah, peut-être, je sais pas. Plaquage ou torgnole ou un truc comme ça, tu vois. Ça peut paralyser ça. Faut que je regarde sur la vidéo. Attends, parce que combat double là. Combat double, on va taper sol sur du combat, ça passe. Hein. Sol sur du combat. Ouais. C'est ah, j'ai fait ampleur, ça va taper tout le monde, merde. Ampleur 8 en plus. Oh, j'ai failli défoncer mon Maconnière. Bon, ça va, il a pas perdu trop. Il a perdu un tiers de sa vie quoi. Et j'ai one shot. Oh, j'apprends giga sensu. Ah, ouais, c'est marrant quand tu fais ampleur. Ça touche tout le monde, mais l'ampleur est pas la même suivant les Pokémon. Allez hop, j'oublie Flash. Rien à foutre. Level 36 de Hunt. Eh, mais Flash, c'est une CS? Ouais. Bah, j'ai réussi à l'oublier. Ouais, mais c'est parce que je crois qu'il n'y a pas le PNJ pour les enlever. Ah, je suis au Rompex, moi. D'accord, c'est pour ça. Bah, c'est cool alors. Bon, je le capture du coup. Allez, faites pas chier, putain. Attends, parce qu'il est normal. C'est une mauvaise idée que je prenne ma cogneur pour capturer Rompex. Ouais. Je vais le défoncer sinon. Putain, j'ai pété un câble, j'ai trop pété un câble. Il est fort à quoi, normal? À rien. Ah. Tu sortirais les techs, je pense. Ouais, non, il y a du combat aussi. Voilà, merci. Il est level combien? 30, il me semble. Je sais pas. Je crois qu'il doit être 30. De mémoire, il doit être 30. Bon, anti-paradis. Il est stylé aussi, hein, Romplex. Tu crois que si tu... ouais, j'avais raison, du coup, il est level 30. Tu crois que si, comment dire, je le capture, quand je le fais me suivre dans le jeu, il dort aussi, puis il se traîne par terre? J'en sais rien. Éclat de griffe. Alors, aussi c'est compliqué, parce que là, du coup, le sexe de Ronflex est aléatoire pour le quand on combat, les deux. Donc ça veut dire que je peux tomber sur deux mâles et deux femelles. Du coup, pour faire des œufs, si j'ai vraiment des œufs dégueulasses, ça va être compliqué. Putain, il a fait repos l'enfoiré. Meurs! Non, meurs pas! On va éviter. Le souvenir, il est ultra chiant à choper rond. Ouais, ouais, il est chaud. Mais là, j'en profite qu'il dorme. Je vais relancer une éclat de griffe. En plus, il soigne et tout. En plus, je baisse sa défense. Du coup, faut que ah je fasse oui, gaffe. Repos. Ouais, repos, là, il est endormi là. Du coup, je vais en profiter. Je vais lui lancer une balle. Il lui reste 3 PV et il est endormi pour moi. Donc, ça devrait aller. Super ball. Est-ce qu'on va le choper du premier coup? Ça m'étonnerait. Je crois qu'il est super chiant à voir. Bah ouais, c'est Ronflex quoi. Capturé. Sérieux? J'ai pas le temps. C'est quoi ce mec? Mais oui, tu sais, il y a ceux qui assurent de naissance. Il y a ceux qui ont la poisse, tu vois. Voilà. Alors, attention. Attention. Et dis-moi qu'il y a des bronzivés, comme ça je bute le mien. Eh bah, tu sais quoi? Ouais. T'as un Ronflex défensif que je veux. Ouais. Il a 30 en défense. D'accord. Du coup, je le capture. Alors, par contre, il a pas beaucoup de PV. L'attaque, ça va. L'attaque SP, ça, c'est bien. La défense SP, c'est pas terrible. Mais on s'en fout. Et les IV vitesse, il est à fond. D'accord. Du coup, tu le gardes ou alors, on en met un autre? Bah, on va capturer les autres pour être sûr. Comme d'accord. Ça, au pire, je pourrais faire des bébés pour augmenter un peu si j'ai le temps, tu vois. Mais là, en tout cas, celui-là, déjà, ça va. Ah, combien il a de PV? Enfin, c'est PV. Pas les IV, mais c'est PV. Ah. Non, mais pas les IV. Mais pour ça, si je peux balancer PV, un... Ok. Si je peux balancer un Dracorage ou pas. Attends, il a... Il voit pas, c'est une barre... Ah, il a 136 sur 136. Ok, bon bah, easy, je peux balancer deux Dracorages, normalement. Ok. T'es level combien? Ah ouais, non, ça tape 34. 40. Non, ça tape 40, donc je suis tranquille.
Donc ça fait ouais, tu peux en lancer deux, ouais, tranquille. Après, il... attends, parce qu'il va faire repos. Ouais, il vient de le faire. Comme ça, il est endormi pendant 3 tours. Moi, il est endormi pendant 3 tours. Normalement, c'est 2 tours. Il attaque au 3ème. Eh bien, écoutez, les amis, demi-tour pour moi. Tant qu'elle finisse le combat, parce qu'elle va mettre longtemps, je la connais, elle est nulle. Quand ça parle mal. Il va te faire foutre. Du quoi? Il va te faire foutre. Alors, attendez, je remonte parce que... il va falloir faire un choix, là. Alors, est-ce que c'est Eletech ou est-ce que c'est Sablero qui dégage? Ah, les deux sont bons. Est-ce qu'on a encore besoin de... Ou alors on utilise la même technique qu'on avait utilisée avant pour couper? Oh non, c'est trop chiant, ça. Non, ça prend 2 secondes. On n'a pas façon, beaucoup d'herbus. Ça... Ouais, donc au pire, je peux le virer, tu vois, on s'en fout. Si jamais je vois qu'on est, on est bloqué à un endroit, on fera un échange. Ouais. Vas-y, je vais faire ça. Bah allez, dégage la plante dégueulasse, là. Regardez comment il est dégueulasse, ce Pokémon, quand il me suit. Oh, il est dégueulasse. Mon dieu, on dirait un... une sorte d'alien dégueulasse. Alors, bon, du coup... Ah, mais attends, est-ce que ça ferait... on ferait pas mieux de capturer les autres Ronflex avant, pour voir? J'ai capturé Ronflex. Est-ce qu'on ferait du pas mieux de... demi-tour aussi. Est-ce qu'on ferait pas mieux de capturer... Attends, parce que t'as regardé les EV? Ah ouais, je peux les voir. Alors... Oh là là, c'est de la merde. Alors, tout, 10 tout PV. C'est de la merde. 10 PV. Bon, pour l'instant, 24 c'est mieux. Attaques. C'est mieux. 23 défense. C'est correct. 15 attaques P. On s'en fout. 17 défense P. C'est mieux. 5 vitesses. C'est pas terrible. Ouais. Bon, il est juste mieux en vitesse. Voilà, donc bon. À voir avec les deux autres. Hein. Ouais, on verra. Donc du coup, je vais pas le prendre... En fait, finalement, je suis venu pour rien parce que je vais pas le prendre sur moi, le Roflex. Tu vas refaire des manips et tout après pour... Non, mais là, c'est juste une... C'est pas une touche de direction, donc ça va aller. Elle est où, la canne? Dans objet, je suppose. Allez, là. Méga canne, voilà. Emplacement, raccourci clavier 2. Et on va le mettre sur l'autre gâchette, du coup. Attendez, je vais juste faire une petite manip. De toute façon, le temps qu'elle arrive... Ah, bah, elle est là. Mais je suis là, moi. Bon, je ferai ça plus tard, là. Le temps qu'elle arrive, elle est là. Bordel. Ça parle trop mal. Ah, là, c'est là. Merde, j'ai Sablero, du coup. Salut. T'en fous de Sablero? Ouais, c'est un électricien, là, non? Il a dit électrique. Ah, bah, du coup, j'ai bien fait d'avoir Sablero. Bah, ouais, du coup, t'es tranquille. Alors... Et y'a moyen que mon Reptincelle, il évolue, hein. On est pas loin, là. Ah, niveau 34. Ouais. Ah, je vais le faire évoluer. Ampleur. Meurs. Enfin, moi, il me reste un level pour Carabaf. Mais, au final... Non, je vais pas le dire. On va dire rien. Chut. Suspense. Faut pas le dire. Electrode. Meurs. Je les ai one-shot tous les deux. Est-ce que je vais le one-shot, lui? Pour les moyens. Ah non, il va falloir 5. Je l'ai presque one-shot. Oh là là. Meurs. Quoi? Non mais il est plus rapide que moi, ça fait chier. En plus je suis con, j'étais au centre Pokémon, je me suis même pas soigné. Bravo. Voilà, bon. Suivant. Ah mais j'ai encore ce tuplard dégueulasse qui me suit là. Tiens. Ma cogneur, bam. Ici, il faut utiliser coupe ici. Heureusement que je l'ai pas viré. Bon, potion. J'en ai marre de... Ah mais j'ai encore changé de vie sur Pokémon. Hop. Alors, oh, une Pokéball. Hop. Un Nidoran. Ouais, ça doit le faire tranquille. Bonjour. Éclat de griffe. Meurt. Oh, un PV. Ah, c'est pour ça qu'il dit qu'il cherche une pierre lune. C'est parce qu'il a un Nidorino. Ouais. Ah, tout s'explique. Oh là. Très courage. Ah merde, je me suis empoisonné avec Hans. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors. Oula. Oula. Vraiment pas bien. Non. C'est de plus en plus chaud à XP. Ouais. Mais on XP pas bien parce qu'on est beaucoup plus fort qu'eux en fait. Mais ouais. Remarque, pas... niveau 29 le mec. Hein. Ouais. Il rigole pas, hein. Ok. Qu'est-ce que c'est que la Pokéballs? C'est du fer. Garde-le.
Ah, j'ai une anecdote à raconter. C'était très drôle et très humiliant à la fois. Hier, j'appelle un médecin parce que j'étais encore malade comme un chien. Et tout à la fin, il me fait « Au revoir, monsieur ». Donc, c'est pour te dire l'état de ma voix, quand même. Je l'ai très mal pris. Alors ? Et c'était ça, hein. Au revoir, monsieur. J'ai envie de dire, mais va te faire foutre, connard. Oh, Renaud, je vous adore, j'ai écouté tous vos CD. Et je l'ai mal pris. Hein. Surtout qu'en plus, il m'a envoyé péter parce qu'il n'y avait plus de place, donc je l'ai trop mal pris. L'humiliation. L'humiliation d'une vie. La honte. La honte. Pour la peine, je vais me défouler sur ce Magikarp. Allez. Chier. Ah, mais là, il y a des Magikarp le 24, lui. Mais ouais, mais il a rien compris à la ville, mec. Fais-le évoluer, enfin, je sais pas. Normalement, c'est le 21, il me semble, Magikarp. C'est 20, 20 Léviator. Ah ouais, 20. Et le mec, 24. Allez, je vais monter mon Magikarp le plus j'ai haut possible. J'ai pris 5% d'XP. C'est grave. Attends. Le mec, il sert trop à rien. J'ai pris 102 XP. Putain. Oh là là. J'ai même pas vu la barre bouger tellement elle a pas bougé. Ah merde. Voilà. Ah, attends. Ici, il y a des Mimitos, il me semble. Ah, c'est nul. J'aime bien Mimitos, moi. Il est mignon, mais il sert à rien. Avec le nom de Pokémon, il est cool. Après, je sais pas si avec. Je sais qu'il y a des Mimitos parce que j'ai joué la version rouge. Mais est-ce que. Il y a de. Il y a des. Des autres Pokémon, des autres versions dedans. Aucune idée. Peut-être. Maybe. Putain, mais encore des Pokémon. Oh, mais vous faites chier. Niquez vos races, putain. Oh, j'ai envie de dire, avec Toxoplasma, ça passe tranquille. Hein. Mais oui, t'en as rien à foutre, toi. Pas le temps, moi. Pas l'ombre. Meurs. Ouais, je le fais avec Reptincelle, donc forcément, c'est déjà moins drôle. Ah. C'est moins l'éclate. Mais j'ai rien qu'il évolue. Oh, j'ai gagné 666 XP. Ça tend. Ectoplasma. Oh, j'avoue. Ah. Métalleux, Ectoplasma. Hippotrump. On va envoyer quelqu'un d'autre. Ouais, mais moi j'ai pas le temps. One shot, tout le temps. Tiens, meurs. C'est plus drôle. Et n'empêche, pour l'arène psy, je vais être dans la merde. Pourquoi? Parce que j'ai rien contre les psys. Bah, toi, t'as ectoplasma, donc tu fais ballon, mais. Bah, je sais pas ça. Franchement, y'a moyen. Y'a moyen, ouais. Ça va être trop risqué sinon. Attends, il faut que je change du coup, parce que ma cognure est 35, donc on va mettre ma cognure. Lui, il est électrique aussi, il me semble. Alors, on les défonce tous parce qu'on a besoin d'XP. Ouais, ouais. Et au revoir. Ouais. Oh, too bad. Bah ouais. Lui, il y a des Pokémon oiseaux. Et ça, c'est une mauvaise idée pour moi, du coup, d'avoir mis ma cognure. Ah ouais, pour le coup. Eh bah, tu sais quoi, je vais tenter quand même c'était avec sabotage. Mais laisse-moi passer. Ouais, salut. Bah, c'était une mauvaise idée. Bonjour. Eh, il m'a fait ouragan, j'ai perdu 5 PV. Je suis en train de décéder, je suis encore malade, putain, les gens. Ah, il me fait ouragan, j'ai perdu 5 PV, j'ai fait corps perdu, je l'ai one-shot. Goodbye, Roucoule. Salut. Roucoups, attention. Il attaque, on s'en fout. Corps perdu, meurs. Il enlève Roucoule pour oh, mettre critique. Roucoups. Ah bah oh si, en fait, c'est lucide. Oh, comment je l'ai pas respecté, Roucoups. Oh. Corps perdu, attaque combo, one shot. Oh. Le non-respect d'un homme. En même temps, j'ai 4 bras, ça doit faire mal, un coup de poing de... Ouais, tu te prends 4 coups de poing dans la gueule. En même temps, tu sais. Ouais. T'as les joues qui implosent. Je sens qu'il y a un problème. Ça fait mal un peu. Alors, Suzy, tu vas mourir. Tu vas mourir, tête à Suzette. Corps perdu. Regarde, je respecte pas les ornithologues. Allez, one shot, trop cool. Tu vois ce que combat, on est quand même, je suis censé me faire dérouiller par les types oiseaux quand même. Ouais. Mais venez vous battre, putain de bordel de oh, merde. Oh, bah, mais lui, il est trop ouf, lui, il me sort Ratata. Lui. Ah ouais. Vendez, comment vendez on peut tomber sur des Ratata encore à ce stade. Vendetta, merci, au revoir. Mais c'est plus drôle, ça fait au moins 6 dresseurs que je one-shot tout le monde. En même temps, vu les Pokémon en face... Ouais, allez, Miaouss, meurs. Mais ils attaquent tout le temps, moi c'est chiant, du coup je vais mourir. J'ai 9 PV sur ma cognure. Je vais mettre une super potion. Que je les one-shot, mais à chaque fois je me prends genre 5 PV, 10 PV, tu vois. Ouais, donc au bout d'un moment... Allez, mal, potion. C'est où? Et où les potions? Dans ton cul. On m'a volé mes potions.
match. Hyper potion, non, super potion il me faut. T'en suis miro ou j'en ai pas? T'as peut-être tout utilisé. Non, non, super potion j'en ai 18. Ah bah non. Je suis... Ah putain, ça remet que 50 PV, c'est de la merde. Ah ouais, parce que maintenant on commence à avoir plus de PV que ça. Hein. Ouais, j'en ai 116 moi. Corps perdu. Oui, je veux qu'il évolue ce putain de reptacelle. Tu veux combien? 35, donc encore un niveau et c'est bon. Ah, pareil, mais avec les Pokémon qu'on a en face, mais c'est de la merde. Envoyer des roucoups, je sais pas. Meurs. Regardez, je vais tuer le héros du dessin animé. Regardez comme il est nul. Ma fille m'attaque, j'ai perdu 3 PV. Regardez comme il est nul. Ouh. L'enculé, tu sais. Ouais. Putain, mais j'ai buté ces 6 Pokémon, j'ai pris un quart de la barre d'XP même pas, quoi. En plus, il m'a paralysé, le con. Alors. Hop. Attendez, je le déparalyse. Oui, évolution. Bim. Oh putain, c'est beau. Allez, GG. Super potion. Hop. Voilà. Voilà. Alors pourquoi je mets en prio? Parce que... Pourquoi je... Mais ferme-toi ça. Ah voilà. Pourquoi je mets en prio Ectoplasma et Macogneur? Putain, c'est parce long. Que... Parce que c'est pour l'instant, c'est mes deux seuls Pokémon... C'est mes deux seuls Pokémon définitifs. Je vais apprendre Cruel, Zaraz. C'est trop bien. Il y a des milliers de dresseurs. Des milliers. Bah du coup, il faudrait peut-être s'arrêter, on va être à 30 minutes. Ouais, mais je suis à 29 minutes, mais on peut continuer un petit peu, non? Matza. Attends, merde, fail. Matza. C'est pas trop beau. Mon gosse. Ouais, mais il est pas shiny aussi, donc... Mais ouais, il est pas shiny, putain. Bon, alors, du coup, on s'arrête là? Ouais, et ensuite, on se tape plus de dresseurs bon. Et basta. Comme ça, on fait ça dans le prochain épisode, on finit les dresseurs et on s'attaque peut-être à l'arène. Non, c'est pas la bonne. À mon avis, on n'aura pas le temps. Parce qu'il y a encore énormément de dresseurs. On va discuter après, on va pas perdre de temps avec ça. Alors, les amis, on se retrouve dans le prochain épisode. Voilà. Observez ce Dracaufeu pendant qu'il parle. La magnificence. Le swag. Pour une fois que j'ai un Pokémon swag, attends. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker comme d'habitude. Comme à nous rejoindre sur Twitter, Facebook, etc. Voilà. On vous fait de très gros bisous, les amis. On se retrouve dans le prochain épisode. C'était Zarek et MH. Ciao, ciao. Salut. See ya.